Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto, enfin un tuto assez spécial que je vais vous concevoir aujourd'hui. C'est un tuto sur les vernis, et oui, donc vraiment les vernis pour moi c'est vraiment quelque chose d'important à se mettre pour avoir une beauté finie. Donc comme vous pouvez voir c'est un vernis pas très joli, enfin s'il y en a qui aiment bien, il faut qu'ils me le disent en commentaire, n'hésitez pas. Alors c'est un vernis fluorescent que j'ai sur les doigts, donc il se voit dans la nuit, mais là ça fait jaune, donc comme si tes ongles étaient abîmés, mais voilà. Et puis si vous l'avez mis mais que ça ne fonctionne pas, il faut que en premier vous secouez votre vernis, et puis en deuxième que vous mettiez à la lumière. Par exemple vous prenez une lampe de chez vous et vous éclairez vos ongles. Voilà, comme ça. Voilà, vous éclairez vos ongles. Et puis ensuite, vous allez. Vous éteignez toutes les lumières, vous n'avez aucune lumière. Et puis vos ongles vont s'illuminer, mais ça ne va pas être extraordinaire. Voilà. Donc, je vous conseille pas d'acheter. Enfin, je vous conseille de garder vraiment le jaune. Mais le bleu ou le vert, je ne vous ai pas conseillé. Bon. Je n'aurais pas conseillé peut-être le jaune parce qu'en fait le jaune j'ai remarqué que ça jaunit les doigts. Enfin ça fait style que ça jaunit les doigts. Donc je vous aurais conseillé plus d'acheter un bleu ou un vert. Parce que ça fait vraiment vernis. Parce que là je suis pas. Enfin j'aime bien mais je suis pas accro à ça. Voilà. Et puis nous à l'école on n'a pas le droit de mettre de vernis. Donc c'est la seule semaine où je vais pouvoir me mettre de vernis. Puis après les autres semaines, j'ai l'équitation, gna. Je vais pas vous donner plus de détails. C'est parti. Alors. Donc comme vous pouvez le voir, le vernis que je vous ai montré tout à l'heure à Claire. Ensuite, deux vernis hyper sympas, un noir et un paillette. Voilà. Ensuite, un vernis vert, mais il est trop beau, vraiment, il est super joli. Voilà, je vais vous le montrer. C'est vraiment une très belle couleur, le vert très foncé. Donc le vert clair c'est pas ma couleur, mais le vert foncé vraiment, je n'ai jamais mis ma vie sur moi, je n'ai jamais mis de vert, enfin peut-être quand j'étais petite, je trouve, mais là je ne mets pas de vert, je sais pas pourquoi. Je mets genre plus du bleu, du noir, du rose et du jaune. C'est les couleurs principales que je mets. Ça c'est un paillette encore de clair, donc les trois que je vous ai montré c'est le clair, non les quatre que je vous ai montré, donc le noir et le paillette, le paillette bah celui qui est avec le noir et le paillette violet, et puis celui-là c'est le clair, et puis celui-là bah c'est de Nocibé, donc si vous le trouvez vraiment très joli, il est en violet et il est à 1,50€, donc c'est qui est vraiment pas cher pour un vernis par rapport à clair où je l'ai payé j'ai payé 2€ je crois, donc ça cause aucune de différence, mais voilà. Et puis si vous avez envie de fêter Halloween mais vous n'avez pas de costume ou d'équipement ou de perruque, peu importe, bah la Claire, vous tapez le site de Claire, vous tapez Claire, hein, vous trouvez. Et puis vous pouvez cliquer sur les choses, les affaires d'Halloween et puis vous allez trouver. Moi j'ai sûrement un déguisement en diablesse. Voilà, je vous ferai une petite vidéo de tuto pour ça. Voilà. Et plus tard, je vais vous faire un. Pendant les vacances, oui. Je vais vous faire un nail art pour les ongles, rainbow, toutes les couleurs. Et puis, je vais vous montrer comment fabriquer un vernis fluorescent juste à partir d'un fluo et puis de top coat. Voilà. Ensuite, un bleu qui ne marche plus du tout, qui est genre fichu. Je vais pas vous donner plus de détails parce que regardez, il est mort. C'est bon. Ça fait 3 ans que je l'ai, il me semble. Non, 4 ans. 3 ans et demi. 4 ans. Bref. Alors, les deux qui marchent pas, c'est celui-là aussi qui n'a plus rien, en fait. Mais pourtant, c'était vraiment une couleur très jolie. Très, très, très belle. Mais je pense que ça a durci et du coup, c'est tombé. Après, moi, ça ne m'embête pas plus que ça parce que ces vernis-là, je ne les utilisais jamais. Le vert, il marche. C'est vraiment une couleur très jolie aussi. Mais que je suis moins fan. Le orange, il marche.
Le rose, il marche et je suis plutôt contente qu'il marche. Il faut juste que je mette une goutte d'eau pour que ça leur donne un peu plus de peps. Parce que sinon, il va faire comme les autres et le truc va tomber. Et le jaune, il marche. Donc, c'est pas mes couleurs préférées. Puis le violet ne marche. Marche ou marche pas. Je crois qu'il marche. Je suis pas sûre. Ouais, il marche. Il faut juste que je remette un peu de piment. Donc, que je mette un peu de goutte d'eau. Et puis, si ça marche pas, je mettrai une goutte de dissolvant. Ma mère, elle m'a dit, si ça marche pas, il faut que tu mettes une goutte de dissolvant. Donc, si vous aimez vraiment trop votre vernis, bah, je vous conseille de mettre une goutte d'eau parce que c'est un petit problème. Sinon, je me suis acheté un vernis sympa. Ça m'a dit que moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est trop belle, une trop belle couleur, voilà. J'ai le même en bleu clair, mais il est trop beau, quoi. Voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai du vernis à ongles Cosme Pro. Vraiment, c'est une très belle couleur de vernis, je trouve. Du rouge pétant avec du rouge clair. Et puis, je vous montre la prochaine fois que je ferai une vidéo pendant les vacances. Je vous montrerai comment faire tous les assemblages de vernis. Donc, par exemple, celui-là, il aura un rouge à lèvres attitré. Un rouge à lèvres attitré. Il sera la même couleur que le vernis. Etc. Bon, moi je suis pas trop rouge à lèvres. Hein. Vous pouvez le constater, je me maquille rarement. Par exemple, pour YouTube, je ne maquille jamais. Vous pouvez le constater. Et voilà. Je crois que c'est la fin de ma vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, si. J'allais oublier. À chaque fois, j'oublie. C'est un kit de nail art. Tatouage. Et stickers pour les ongles de Nocibé. Donc, je l'ai payé 2€, ce qui est pas cher du tout. Et ce qui est vraiment sympa. Pour moi, c'est hyper sympa. J'aurais quand même peut-être mis moins cher, mais voilà. Donc, par exemple, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous posez un petit dessin. Vous collez le dessin sur vos ongles. Et puis ensuite, vous mettez du top coat pour que ça reste, en fait. Pour pas que ça parte, parce que... Voilà. Je vais vous montrer les trois. Non, j'ai pas pris. Non. C'est bon. Donc vraiment, c'est des jolies couleurs. Je trouve que c'est des belles couleurs. Vraiment des très belles. Ensuite, on a des moustaches. C'est vraiment joli ce qu'ils font, en fait. Hein. Il y a beaucoup de trucs sympas. J'étais avec genre des smileys. Des pouces en l'air, si vous pouvez vous en mettre. Et ben voilà. Ah non, si j'avais oublié de vous montrer. Regardez ce qu'il y a marqué Happy. Donc je pense que je vais mettre sur chacun de mes doigts. Ça va faire vraiment classe. Je vais m'amuser à fond. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de l'acheter. Donc si vous le voulez maintenant, il faut que vous alliez à Nocibé. Parce que c'est... Enfin, moi, je suis allée à Nocibé de Carrefour et puis à Claire de Carrefour pour acheter mes petites affaires. Donc, Carrefour de Tours, évidemment. Voilà, donc vraiment, je trouve que c'est une très bonne marque. Tout ce que j'ai, en fait, c'est de la bonne marque. En fait, bon, on va pas dire c'est la magnifique marque, il y a ci, il y a ça. On va pas en rajouter plus. Je ne fais pas de pub. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus présentation de mes vernis. A plus tard sur ma chaîne.